mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le gentleman gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Mais enfin, mais c'est pas possible. Je vais bien le trouver. Ça fait une demi-heure que je tourne dans le quartier quand même. J'aurais dû venir avec le catcheur GPS, le catcheur avec lequel on ne se perd jamais. Ah! Ah, ma foi. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh. Bonjour. Je cherche le sieur Marcus. Ah, c'est moi-même, bonjour. Je vais te faire du mal, je vais te triper, je vais te taper 90 fois dans le visage, que tu vas appeler SOS Secours. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que cet accoudrement? Et puis qui êtes-vous d'abord, monsieur? Je suis la reine mystérieuse, je suis le catcheur belge. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis... Shadow, Red Shadow, le fantôme de Pac-Man. Et méfie-toi parce que j'ai affronté Pac-Man en 1981. Et s'il les avait pas eu, ces petites pilules, cette espèce de drogué dopé, eh ben il aurait jamais gagné. Tu vas voir ce que je vais te mettre, rentre immédiatement. Allons-y. Tout tombe bien, je viens de recevoir WWE All Stars. C'est parti. Viens te battre, espèce d'invourton. Et toi, reste là. Fais voir ton affreux visage dans la caméra. Mais t'es contagieux, je prends ton accent belge, c'est terrible. 9 fois, c'est ça terrible. Souvent, ça m'arrive très souvent. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils sont laids. Oh, c'est vrai qu'ils sont laids. Ils sont... Il faut que j'arrête, arrête avec ton accent belge. Très bien. Tu me le refiles. Alors attention, tu connais ce jeu? Alors, pas du tout. Très bien, eh ben tu vas prendre cher, tu vas voir. Oh, mais pourquoi je parle en belge? Ça n'est pas prévu, il est complètement contagieux, ce garçon. Je vais te faire l'attaque du Mac and Peace, c'est ma spécialité. J'appelle ça le Mac and Peace à l'arrêt. Oh, ça doit être terrible, je préfère pas voir ça. Bon, alors c'est parti pour All Stars WWE. Et on va faire un contre un, tout simplement. Très bien, un contre un. Parce que j'ai pas peur de toi. Tout à fait. Pas besoin de mes potes. Je vais être rouge. Très bien, sois rouge. C'est tes fesses qui vont être rouges quand j'en aurai fini avec toi. Alors regarde bien, j'ai créé mon catcheur. Il va apparaître à gauche, c'est Marcus. Wow. Et toi, tu vas prendre? Je prends Rey Mysterio, il me fait beaucoup de mal, hein. C'est une copie américaine de moi-même. Je comprends, oui, alors du coup, il te prend un peu les royalties. Il prend tous les royalties, et puis il est un peu plus musclé que moi. Par contre, très réussi, hein, ton personnage. Je te remercie, vraiment, je l'ai beaucoup travaillé. On va le voir arriver d'ailleurs sur le podium, tu vas voir qu'il est très classe. Donc on peut le faire soi-même? On peut faire soi-même jusque dans le moindre détail, c'est très impressionnant. Hein. On peut choisir la corpulence, le regard, évidemment le costume, les tatouages, il y a plein de trucs. Bon, ouais, je fais une arène un peu au hasard. Je pourrais faire un personnage qui fait 1m60. Bien entendu, tu peux, parce que c'est ton gabarit, j'imagine. Tout à fait. Oh, il va prendre cher, le garçon. Je suis poids cuisse de poulet. C'est pas beaucoup. Alors que moi, tu verras que j'ai choisi un poids lourd. J'ai essayé de reprendre ma morphologie, regarde. Mais enfin, ce profil n'est pas possible. Oui, mais je trouve que c'est assez ressemblant. J'ai choisi le violet parce que c'est classe et des tongs vertes. Je ne sais pas si on va les voir. Et voilà. Un petit slip kangourou, oui. Très saillant. Exactement. Et regarde bien, j'ai un brassard bleu, blanc, rouge car je suis français. Voilà. Donc j'ai décidé de faire un personnage qui me ressemble. Et toi, Rey Mysterio te ressemble forcément. Ça marche bien le catch en Belgique? Bah, ma foi, coup-ci, coup-ça. On a peu de gens, mais. Vu qu'on vend beaucoup de frites à la sortie du spectacle, j'en viens, hein. Ouais. Ça se passe bien. Bon, tant mieux. Ça se passe bien. En fait, je suis très heureux d'avoir une cagoule parce que je peux me marrer de tes conneries. je souhaite la bienvenue à mon catcheur mystère. Vous ne savez pas qui c'est. Eh oui, viens, montre ta sale bouille. Et il restera mystérieux jusqu'à ce que je le démasque. Oh, jusqu'à ce que tu mettes des doigts dans le nez. Voilà bien. C'est de la triche, arbitre. Donc nous avons décidé que si je remportais ce combat, j'avais le droit de démasquer mon catcheur mystère invité. Et comme ça, vous saurez qui est mon invité mystère. Je suis en fait très mystérieux. Alors c'est parti. Ah, le format est bien respecté. Hein. C'est vrai que c'est exactement ça. Alors c'est parti. On peut coller 2-3 tornioles pour un peu fatiguer l'adversaire. Bravo. Et ensuite, évidemment, essayer de le choper une fois qu'il est bien fatigué. Prends dans tes chevilles. Là, c'est plus de la boxe que du catch. Je vais te faire voir ce que c'est que le catch. Voilà. Une petite prise. Et si je pouvais t'attraper tout de suite dans la foulée, ce serait pas mal. Allez. Et je vais te faire sauter en l'air. Alors on peut, c'est ça qui est bien avec ce truc, on peut contrer les prises qu'on nous fait en appuyant sur L1 au bon moment. Oh, ça c'est magnifique. C'est un super.
Ça, c'était presque un super coup. Il y a tout un système de super coups. Oh là 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 là. Comment je me relève? Ah oui. Et tu tapotes sur les boutons. Si je vais te faire du mal. Oh là là, oh là là. Et bam. Des fois, au catch, on sait pas trop qui a fait mal à qui. Exactement. Hein. Là, je pense que c'était toi, quand même. Alors, attention. Oh, je prends cher. Oh, bien. Alors, oh. Toi, tout de suite, on voit un style beaucoup plus aérien. Ça, moi. Je le fais dans mes spectacles. Ça m'étonne pas. Tu vois que c'est très réaliste. Quand très même. Réaliste. Mais en fait, ce que j'aime dans le jeu, moi j'aime pas les jeux de catch. D'habitude, pour tout vous dire, celui-là, j'ai même failli pas le tester carrément, parce que j'en avais un peu marre des jeux de catch, je trouve que c'est toujours pareil et pas très jouable. Celui-là, il est rigolo tout de suite. Et c'est ça que j'aime bien. Avec mon invité mystère, on a fait qu'une seule partie. Et vous voyez que déjà, on arrive à faire des trucs assez sympas. Monter sur les cordes non, et non se jeter sur Rey Mysterio. Ce n'est pas très hygiénique comme attaque. Je reconnais. Je reconnais. Mais tu peux le faire aussi, alors je peux. Oh, bien. Alors j'aurais pu tenter, hein. J'ai pas eu le temps de le faire, mais j'aurais pu tenter une contre-attaque. Oula. Oh, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Donc vous voyez que oh, Rey Mysterio va morfler, je pense. Ah, tu as fait très mal à Rey Mysterio. J'ai plié la Rey en deux, voilà, et maintenant je vais essayer de le retourner à nouveau. Alors vous voyez qu'il a... C'est vrai que mon ventre est un peu disproportionné. Mais, ah ça y est, j'ai réussi à me défaire. Oui voilà, faut taper, faut tapoter. Oh attention, c'est moi qui vais prendre cher peut-être. Oui là, c'est net, c'est toi qui l'as fait. La Rey reprend le dessus. Oh là là, il faut que je tapote pour me relever. Oui, juste attends, très bien. Alors comme vous pouvez le voir, Rey Mysterio qui a bien mangé a deux petites étoiles dans sa jauge en haut à droite. Ça veut dire qu'en appuyant sur R1, tu peux faire des coups un peu spéciaux, un peu plus forts. R1, 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 très cela. Bien. Très bien. Je traduis en belle R1. R1. Très bien. Mais je vais te faire du R1 alors. Tiens. Voilà, donc essaye de faire des petites prises avec R1 et là tu vas voir que tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Je crois que j'appuie pas trop sur le bon bouton. Et tu as même le double R1 plus L1 qui est ce qu'on appelle un finisher. Mais ça me protège si je fais R1, ça me protège, ça ne veut rien. Il faut que tu fasses une prise en même temps, c'est un peu ah, tout le champ. Oh, j'ai réussi à te sortir, je vais essayer de t'avoir du haut des... Oui, voilà. Je c'est me suis relevé au bon moment. Juste attends. Voilà, tiens. Et il m'a cassé le bras. Tiens, 2-3 torgnoles. Alors là, c'est la lutte pour savoir qui. Ma foi, c'est très viril. Oh, t'étais au bout du rouleau. Oh, oh là là, magnifique. Oh, magnifique. Oh. On reconnaît bien là ton style aérien. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. Mais c'était superbe. Ah, donc là, je suis un peu fatigué. Moi aussi, je vais bientôt pouvoir faire du R1, voire même du finisher. Eh bien. Parce que j'ai mangé aussi. Oh, bien. Ouais, ah, d'accord, ça fait les mêmes coups, mais plus mieux bien. Voilà, disons que tu utilises ta jauge pour faire ces coups. Comme toi, t'as les deux. Tout est au maximum. Si t'appuies sur L1 et R1, tu vas pouvoir me faire un beau finish, si tout va bien. Enfin, que tu me mettes au sol et ensuite t'essayes. Ça y est, annoncez-toi. Pas mal ça. Mais c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Essaye de me mettre par terre et t'appuies sur L1 et R1 en même temps. Voilà, je vais me laisser faire pour la démonstration, pour la beauté du geste. Voilà, une petite prise. L1, R1. Attends que je sois par terre. Attends que je sois par terre. Fais-moi une belle prise avec croix ou rond, par exemple. Ouh là là. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, ça fait très mal. Là, t'as utilisé un petit R1. Ça y est. Voilà, alors je tapote pour me relever. Oh, j'ai réussi encore. En fait, tant que la jauge n'est pas... Oh là là, t'es parti. T'avais commencé, là. J'avais commencé ma technique. Mais je t'ai interrompu. Grossièrement. Donc le but, c'est de mettre la personne par terre et de la maintenir au sol. Exactement. Avec la touche L2. Je l'avais pas dit encore, je vais découvrir au fur et à mesure. Oh là là, un très beau match pour le moment. Très, très viril. Ceci dit, je suis plus abîmé que toi, hein, mine de rien. C'est vrai. Il me reste plus beaucoup de points de vie. L'arrêt est très difficile à avoir. Il faut bien viser. Alors maintenant que t'es par terre, j'aimerais bien finir. Pouvoir te démasquer, tu comprends. Attention. Allez, elle est par terre. Allez, je me couche dessus, tapote pour essayer de remonter, tapote le plus vite possible, très énergiquement. Oh, j'ai perdu. J'ai gagné. Et je vais donc, voilà, Marcus, le vainqueur par tombée. Alors, il n'y a pas écrit l'empoté sur le côté, mais l'emporte, Marcus. Du coup, je vais pouvoir démasquer notre catcheur masqué. Viens par là avec ta vilaine tête. Ah. Mesdames, messieurs, qui se cache derrière le masque de Rey Mystérieuse? Ah. Je vais pas lui arracher de lunettes. Ah. C'est mon
mon ami Davy. Yes. Bonjour à tous. Merci Davy de venir faire l'andouille avec moi. Ben merci à toi de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. Ah, ça fait très plaisir. Tu as beaucoup la transpire. J'ai beaucoup la transpire. Il fait un peu chaud sous nos masques. Très bien. Ah, je suis content depuis le temps qu'on voulait faire un chez Marcus tous les deux. C'est vrai. Et quel chez Marcus, j'ai envie de dire. Avec des costumes somptueux, oui. Hein, comme toujours. Alors merci d'avoir joué le jeu. Vous avez vu les beaux collants. C'est absolument oui. Superbe. Prêté par Monsieur Poulpe. C'est Monsieur Poulpe qui met des collants dans l'intimité. Volé à d***. Voilà, je tiens à le dire. Parce qu'à d*** mettre ça. C'est curieux. Alors, rappuie sur croix qu'on se fasse un deuxième petit match. Ok. Voilà, t'aimes bien les jeux de catch d'habitude? Non, pas du tout. Moi, j'avoue, je suis pas très catch et c'est vrai que c'est souvent lent. Ouais. Mais là, non. Ouais, on peut se marrer tout de suite. On peut faire une soirée avec des potes et tout de suite, c'est bien, quoi. Et ça, c'est classe. Alors, on va peut-être changer de joueur. Ouais. Pas refaire le même match. Quitter le match alors. Voilà. Moi j'ai vu un mec avec une moustache et une nuque longue. Oh. Et je voudrais jouer avec. Normalement il y a un décret de 1982 qui interdit le port de la muleta. Peut-être que ce catcher date d'avant. Qu'il a le droit. Je pense qu'il date d'avant. Alors un contre un, voilà. Alors bouge, ok. Moi je trouve que vraiment c'est le truc super pour une soirée entre potes. Tout le monde comprend. Alors moi j'adore André le Géant. Voilà. Il existait quand j'étais petit ce gars-là. Dans les années 70, moi je me souviens avec mon grand-père, regarder du catch en noir et blanc, les jeunes, sur TF1, la première chaîne. Et il y avait français. André le Géant, il y avait Zarak, il y avait le l'ange blanc, des trucs comme ça qui n'existent plus. T'as connu ça peut-être toi aussi. Et donc là, l'idée de All-Star, c'est de récupérer des catcheurs de toutes les époques, même s'ils ne se sont jamais affrontés en vrai. C'est vraiment des légendes. Il y a Undertaker, il y a The Rock, Hulk Hogan, bien sûr. T'as pris quoi alors? J'ai pas vu qui tu avais pris. Alors, j'ai pris Robert. Parce qu'en plus, il s'appelle Robert. Donc tout va bien. Tout est assorti à son look. Donc là, on sent vraiment que c'est un géant. Exactement. Mais alors, le truc terrible, c'est qu'il ressemblait vraiment à ça. Là, franchement, il est ressemblant. Des fois, on voit des vidéos derrière des vrais mecs. La ressemblance est assez étonnante. D'accord. Mais j'adore ce style comics. Toi qui fais de la BD et qui aime la BD, je trouve qu'il y a vraiment ce côté graphique qui est vraiment génial. Non, il est très joli et c'est pas dans la recherche du trop réaliste qui. Voilà, je viens avec mon baluchon parce que... Il y a un serpent dans ton baluchon, c'est Jack the Snake, Robert. Ah, bien sûr, bah oui, j'ai des bottes en peau de serpent, forcément. Et dans la culotte, on dirait qu'il y a un petit torvet qui... C'est un petit serpent. Ah oui, voilà. Avec la nuque longue aussi. Bref. Tu as une image. C'est une image. C'est, voilà. C'est un jeu Pardon. Tout public, tout donc on va éviter les vannes pourries, mais... D'accord, okay. En même temps, on peut se faire plaisir, hein, il faut... Non, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur les super coups. Oui, je sais pas expliquer très bien. D'accord. Non plus. Non, mais... En fait, tu fais ton super coup genre carré et croix, et en même temps, t'appuies sur R1. D'accord. Et ça fait un truc super. D'accord. Et le finisher, c'est ces deux-là, L1 et R1 en même temps, quand le mec est au sol. Faut attendre qu'il soit au sol. D'accord. Voilà. Enfin, t'as tendance à prendre des mecs plus grands que moi, quand même. On l'a pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est ça. Viens là. Donc première étape, ouais, essayer de coller des petits coups. C'est excellent comme coup. Les trois stodges. En plus, tu hurles de douleur pendant 5 minutes au sol. Allez, André, au boulot. Ça me fait mal. Ah, ça fait mal. Et je veux m'asseoir sur ton visage. Oui, c'est bon, ça. À mon tour. Je suis pas sûr que j'adore ce coup. Il est pas possible, ce coup. Je vais essayer, mais... Oh là là, j'aurais pu contrer. Alors dès qu'on vous chope, il y a la touche L1 qui apparaît. Oh voilà, j'ai réussi à contrer là. Ah d'accord. Qui apparaît en face de votre catcher et ça permet de contrer éventuellement un coup. Bon, moi je m'en vais. Je vais aller. J'avais réussi à faire un truc. Joli. Oh. Je sais pas si en vrai c'est possible. Ils font des trucs incroyables. Je suis pas sûr qu'ils sachent faire des trucs. Tiens, regarde en dessous. Oh, s'il n'y a pas une chaise. Ah oh, mince. Ça m'apprendra à vouloir être malhonnête. Oh, j'ai bien contré. Ah oui, t'as. T'as bien contré. Est-ce que je peux te voler la chaise? Oh oui, apparemment oui. Sauf que je suis là. Oh, écrit attention au-dessus, bah oui, tu m'étonnes. Oh, moi, la chaise s'est complètement détruite. Ah bah une chaise face à André le Géant ne fait pas le poids. Pour un tournage de Nerd, alors je raconte ma vie, mais on est allé tourner vraiment pour du vrai catch. Ouais. Et en fait, c'était une association de catch, et quand on est allé dans la salle, on va dire, où on se change, toutes les chaises étaient cabossées. Et je lui dis, mais en fait, mais pourquoi les chaises sont toutes cassées? Il me dit, parce qu'on s'en sert pour l'entraînement. Et donc, ça soit tous sur des chaises détruites. Quoi. Alors, je fais caca dans le coin du ring pendant tu que je t'attends, parce que j'arrivais pas à sauter. Il voulait pas sauter hors du ring. Je vais m'asseoir à nouveau sur ton visage. J'ai senti que t'avais aimé ça tout à l'heure. Ça doit faire très mal. Voilà.
C'est vrai que oui, toi tu connais des vrais catcheurs. Je me souviens même, tu m'avais fait défier dans un sushi quiz à l'époque. Oui, tout à fait. Par Booster. Booster. Voilà, qui est un vrai catcheur qu'on salue au passage. Tout à fait. Oh mince, il faudrait que j'en profite pour te sonner. Et il m'avait défié et j'étais venu sur scène pour le sushi quiz et il m'avait soulevé en l'air carrément et il m'avait retourné comme une crêpe. C'est impressionnant. Et on n'a pas envie de lui dire des méchancetés. Exactement. Donc en virtuel au moins on risque pas de se faire mal, c'est l'avantage. Oh là si j'étais toi, je monterais sur les cordes, mais c'est trop tard. Ouais mais. Ah oui. Bah là je t'attends en fait. Hein. Je suis derrière. Tiens, voilà. Je l'aurais très mal vécu en vrai celle-là. Oh là j'adore là. Ce coup. Hein. Oui, il est bien ton petit coup d'aveuglement. Voilà. Ah, c'est j'ai tenté un contre, mais ça n'a pas marché. Non, mais je suis là-bas. J'ai des petits problèmes de perception. J'ai vu que t'es embrassé ton public. Ouais. Ah voilà, la monte sur les cordes avec L2. Ah oui, L2. Ouais. Voilà, et saute. Genre, je pense que ça peut marcher. Finalement. J'ai quelques problèmes. Ah, c'est le seul problème de ce jeu de 4, souvent quand je veux. Oh, joli. Oh. Quand je veux monter sur le coin du ring, il me fait sortir du ring. Ça, c'est le seul défaut que je lui ai trouvé à ce jeu. Pour le reste, je trouve que c'est super fun tout de suite. Ouais, c'est rigolo. Comme il y a très longtemps, je me souviens sur Super NES, il y avait un jeu de catch. Puis ça va vite, quoi. T'es vraiment, par rapport aux autres jeux de catch auxquels j'ai joué, là, ça répond du tac au tac, quoi. Et puis alors, moi, j'ai essayé de commencer à faire le mode aventure avec où t'affrontes différents gars, des fois 3 contre 1 contre toi tout seul. Et c'est assez sympa, on se prend vite au jeu et ça peut devenir assez technique. Cette histoire de contre, de reprendre après l'adversaire, de l'épuiser et tout, il y a de quoi faire des trucs assez techniques, je pense. Bon, les amateurs de catch vont sûrement nous dire « Mais vous êtes complètement fous, la référence, c'est quoi, SmackDown ou un autre ?» 2011, genre. Voilà. Mais nous, on aime bien celui-là. Ah, est-ce que tu peux? Ouais, je peux faut vraiment bourriner, t'as vu, pour bourriner, remonter. Ouais. Ça, c'est assez génial, parce que du coup, ça devient très physique. Ah, oh, tu l'aimes bien, ça, tu l'aimes bien ce coup-là. Ouais. Oula, enchaînement. Oh, ça, c'est beau, ce que je vais te faire, regarde bien. Oh, oui! Allez, tiens, et puis là-dessus, si je pouvais... Ah, je vais finir, mais... Oh, joli! J'ai bien contré. Je l'ai contré, ouais. Non, et le contre est assez intéressant. Et avec mon gros poids, je vais essayer de te maintenir au sol définitivement. Yes! Une belle victoire d'André le Géant. Bon, alors il paraît que normalement, c'est toi qui perds tout le temps, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et là, j'ai vraiment la loose. C'est vrai, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je t'ai mal expliqué les choses. On va dire ça, c'est très gentil de ta part. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un match à 4 et t'aurais du renfort. Ah oui, c'est bien ça, c'est ce bien. Ce serait bien ça. Mais hein. Il faut d'autres catcheurs. Mais il faut la rascasse de la coque sauvage qui n'a pas branché son micro. Je vais tout de suite. Et la crampe, mesdames, messieurs, nos deux catcheurs stagiaires qui débutent puisqu'ils n'ont pas branché leur micro. La crampe, viens montrer ta tête. Est-ce que la crampe peut s'asseoir devant moi? S'il vous plaît. Tu as un micro toi la crampe? Mais il est en train d'être branché. Ah alors attention, est-ce que tout le monde est branché? Oui. Vous les entendez nos petits amis? Donc la crampe, présente-toi, fais-nous peur. Bonjour, je m'appelle Robert. Dans la vie je suis catcheur professionnel. Enfin je voudrais l'être. Eh ben viens, tu vas faire un stage. Je suis en BEP de skate de catch pour l'instant, c'est ça. Installe-toi. Je peux prendre une manette? Mais bien entendu, servez-vous. Ah merci Marcus. Quant à la crampe. Donc ça c'est la crampe. Voilà, la rascasse de la côte sauvage. Bonjour. Tout en élégance, vous remarquerez le costume absolument élégant. C'est dans la le costume de Kishidan. Un groupe de rock japonais. D'accord, ils font pas de catch. Non, mais... C'est de la musique un peu de furieux, un peu comme un peu rock, aller avec ouais. Du catch ou pas? Ça peut aller. D'ailleurs, on n'est pas bien. Non, non, pas encore, c'est parce que du coup, j'admirais vos costumes et j'ai oublié de mettre le catch à catch. Mais en parlant de costume, hein. Ah bah écoute, c'est pas mal. Un effort. Et oui, c'est magnifique. En plus, avec le caleçon est sorti à la et petite cape. Mais tout est. Oui, on se dit. On a tombé les masques, c'est vrai, on n'est pas des vrais. Nous, on n'a pas encore le droit parce qu'il faut au moins faire un match avec le masque avant. Exactement. Alors, vous ne savez pas qui sont nos deux catcheurs masqués, c'est vrai, moi je sais. Mon Dieu, mais quelle surprise. Donc, qui sont-ils? Donc, moi je dis pour leur intégrité. Moi je t'ai pas dit bonjour. Donc, peut-être que si vous ne vous faites pas battre, vous serez pas démasqué. Et ce serait pas et mal. Et donc, cette espèce de costume honteux, personne ne saura jamais que c'est vous. C'est surtout Sylvie en fait. Hein. C'est ça. Ne dis pas les noms, il va falloir biper. Il va falloir biper. Non, mais c'est pas du nom de famille. Bon. C'est dur à placer le lambin quand même. Alors,
Alors, tout à l'heure, alors prenons des gars qu'on n'a pas eu encore, il y a quand même des phénomènes. Hein, je prends. Hulk Hogan, tout simplement. Oh, bah, ça, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dû appuyer sur la mauvaise touche, c'est pas moi. Attendez, on recommence. Caléo, je crois que je ne joue pas. Ouais, alors on recommence. Ah, chacun pousse sa manette. Voilà. Je suis vert. Tout le monde est prêt? Je suis bleu. Donc c'est croix, hein, c'est pas rond. Oui, oui. C'est et il y en a un qui ressemble un peu alors à Rambo. On peut dire que ça lag pas mal hein, l'écran de sélection. Oui, parce qu'il doit aller chercher des skins de 4 mecs. Donc moi je vais prendre Ricky Steamboat, qui est cette espèce de d'étalon. Qui a pris John Morrison? C'est moi. Des Doors. La porte, tu vas te la prendre dans la gueule. Qui est Kofi Kingston? Je suis Kofi Kingston. Très bien. Et Shamus, c'est donc Alex. Ah, je l'ai dit, merde, dommage. Mais t'as pas dit mon nom de famille, ça. Ah mince, ah c'est bête. Ah là là, c'est ballot. Et on va changer d'endroit, on va prendre ouais, Smiley. Alors ça me fait toujours rire quand même dans ce genre de jeu. Les décors différents. Oui, c'est parce vrai. Que au final quand même on se retrouve un peu avec un éclairage avec de la foule avec un ring au milieu quand même. Hein. Mais si on le faisait pas, les critiques diraient qu'il n'y a pas assez de décors. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors il y a des cages aussi, tu sais, il y a le système de cages, oui. Il y a pas le jeu de l'échelle. C'est quoi le jeu de l'échelle? Où tu dois aller attraper une valise de billets en l'air et tu dois monter sur une échelle. Ils font ça au catch aussi. Ah, j'ai jamais fait. Il y a un jeu de catch qui a ça et c'est. C'est le seul truc qui me fait rire. Ouais. C'est un peu comme un Counter-Strike du coup. C'est ça. Donc Shimus, c'est Davy. Non, c'est moi. Non, pardon, c'est. Oula, j'ai appuyé sur X. C'est la rascasse. Non, là c'est la rascasse. La côte sauvage. Non, ah, ça non. C'est moi. Ça c'est toi, d'accord. Ça c'est moi, Ricky the Dragon. Oh, j'ai l'impression de jouer à Mortal Kombat, d'accord. Oui, exactement. Alors c'est d'aussi mauvais goût que Mortal Kombat. Mais ouais. Mais justement, c'est ça qu'on aime, quoi. Puis c'est des vrais catcheurs, faut se dire que quand même c'est des vrais mecs. Ils vont faire leur course, ils marchent comme ça aussi. J'espère que j'ai pas la grâce de regarder mes manches. Tout le monde peut y rentrer dedans. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, avec les petits effets pyrotechniques qui vont bien. Et donc tu me faisais remarquer, Marcus, que derrière il y a des vidéos avec les catcheurs originaux. Les vrais, ouais. D'accord. Les vrais de vrais. Oh, le beau gosse! Classe ultime. Avec les petits clous comme sur toi. C'est vrai. Ah, ton lacet est défait. Je vais lui refaire son petit lacet. Lève ta tête un peu qu'on voit tes lacets. Lève-toi pour que les gens derrière puissent voir tes lacets. Regardez, il a un petit lassage, voilà. Alors je lui fais un petit. Alors, un petit nœud coulant. Ce costume m'a été prêté et je ne dirai pas partout. Il a une cape. Je crois même qu'il t'a été imposé. Ah, c'est un corset de visage. Mais c'est pas de ma faute, il était rangé à côté des menottes. Je l'ai vu, je me suis dit ça fera l'affaire. Mais jouer avec les menottes, on a essayé, mais ça marche pas bien. C'est pas facile. En fait, il y a pas mal de temps de chargement aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu meubles bien, mais. Je te remercie d'admirer le professionnalisme. Et tout, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a jamais filmé ce qu'on faisait après. c'est vrai. Mais on nettoie après. Mais ça arrive avec Marcus, par contre. Ah, ça y est. Alors, c'est parti. Chacun est dans son petit coin. Et c'est chacun pour soi. Alors, on a eu peu de temps pour apprendre les coups, hein, mais tu nous as quand même donné quelques-uns de tes secrets. Par contre, là, il faut choisir qui on va attaquer. Oui. Et ça, c'est compliqué un peu, quand même. On se met tous sur. Alors, il faut appuyer sur R3, en fait, pour pouvoir changer de victime, on va dire. D'accord. Ah, d'accord. Ok, parce qu'il lock, en fait. Il en lock un, il le lâche pas. Et si vous voulez changer. Oh, dis donc, Shemus est en train de me mettre cher. Donc, j'essaye. Effectivement, oui, ça change. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut foutre un peu le soupe dans les prises des petits camarades. Alors là, laissez-moi tranquille. Moi, je vous laisse vous battre là dans un coin et je vais essayer de sauter sur tout le monde à la fois. Voilà, je me suis écrasé comme une merde à côté. C'est un bullet time. Je mets sur pause et on va revoir ce bullet time où je me suis précipité dans le vide pour rien. Je vais essayer de sauter sur tout le monde à la fois. Voilà, je me suis écrasé comme une merde à côté. Voilà, un très beau bullet time, admiré par toute l'équipe. Allez, mais en même temps, j'ai remarqué que ça arrive souvent. Moi, quand je monte sur les cordes, je tombe souvent à côté de ma cible. Moi, je tape souvent en ville. Alors pourtant, ils ont une détente impressionnante. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment aller très très loin et sauter carrément à l'autre bout du ring. Je recommence parce que ça m'a pas suffi. Oh, j'en ai eu deux. Ouais, ça, c'est et je m'occupe du troisième. Alors là, c'est presque un Rodriguez après ce bullet time. Oh, dis donc, il est fort le drogué, là. Il y a quand même des moments jouissifs, effectivement, quand on tape et qu'on voit l'adversaire valdinguer. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est assez agréable. Et alors, quand tu retrouves le seul debout au milieu de la mêlée, t'es content. On joue chacun pour soi, mais on pourrait très bien jouer. Ah, voilà, j'ai encore raté, bon. On pourrait très. Oh. On pourrait très bien jouer en équipe. Ah, il y a un gros bug. Laissez le bug, je ne changeais rien. J'ai deux visages.
Alors ça c'est dommage parce que j'allais justement dire que je trouvais qu'il y avait peu de bugs de ce genre. Tu sais, c'est de très collision, dur. C'est très difficile sur ouais. la 4. Bah la preuve, hein. Bah, il y en a quand même. À 2, il y en a très peu. Oui, tout à l'heure j'observais bien pendant que vous jouez et je trouvais ça assez propre. Là, à 4, c'est un peu difficile. Oh, les deux qui ont été assommés en même temps. Et alors, est-ce que tu peux faire des cascades à deux, c'est-à-dire que tu en envoies un sur l'autre qui le récupère? Alors, je sais pas si, parce que j'ai joué que tout seul. Je pense que c'est possible, parce qu'on peut jouer en équipe. Oh, Chemus est en train de me mettre cher, et l'autre me finit. C'est terrible. Donc, quand on est en équipe, on voit l'équipier en difficulté. Là, par exemple, quelqu'un pourrait... Voilà, bravo, vous l'avez dégagé. Ça m'a bien aidé, donc c'est super. Donc là, nous, on est en mode full ways, c'est le premier qui réussit à assommer quelqu'un qui gagne. Et est-ce que tu peux nous rappeler pour faire les coups spéciaux Alors, c'est R1 en même temps que ton coup spécial. D'accord. Voilà, moi, je suis par terre et je suis pas en grande forme. Je vais donc m'enfuir lâchement, prendre de l'élan et revenir. Des petits coups de pied. Par contre, il y a toujours le... Ah, j'ai oublié. C'est toujours frustrant quand tu essaies de choper quelqu'un et que tu chopes dans le vide. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est terrible. Ouais. Mais moins que dans les autres jeux de catch. Encore une fois, je voulais plus faire de jeu de catch parce que je trouve que c'est toujours pareil. Et c'est trop chiant, trop dur, alors qu'on a qu'une envie, c'est rigoler. Et celui-là, au moins, on se marre tout de suite, quoi, voilà. Alors, il reste des défauts, hein, comme toujours. T'avais fait le jeu de catch avec les filles, là, de Tony? Non, je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait, c'est dommage, je voulais, mais... Attends, je vais regarder sous le tapis s'il n'y a pas une chaise. Tiens, mais assieds-toi! Mais assieds-toi! On va rejoindre, Youhou! Ah, on peut... Oh, joli, on peut contrer. J'ai trouvé une chaise sous le... Oui, c'est ça qu'on s'est... Ah bah c'est là qu'il range les chaises, donc vous pouvez y aller. Ouais, il n'y en a plus un dehors. Yeah, ah, le voilà. Superbe. C'était faible. Oh. Alors ça, ça doit être un coup chargé que tu as fait, c'est la touche triangle, on la maintient un peu enfoncée. Bon, je vais pas vous raconter la technique tellement, mais moi, pour moi, l'intérêt de ce jeu, voilà, c'est les soirées entre potes à 4. Où vraiment ça peut être du grand n'importe quoi et je pense qu'on peut vraiment se marrer. Mais en même temps, t'as... Oh, ah, oh. La manette 4, qui est la manette 4. Elle a plus de batterie. Ah, ben voilà. Ah, attends. Moi, j'appelle ça un abandon. Bon, ça y est, on a rebranché la manette. Désolé pour cette interruption technique. Cyril est là avec un fil. Du coup, il est avec nous sur le canapé. Sinon, il n'y a pas la manette sans fil, il faut un fil. Oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Mais du coup, comme le fil est court, voilà, il est avec nous sur le canapé. On peut y aller. Oh, bah oui, bien sûr. Il a envie d'en découdre Mister X, qu'on sait pas qui c'est. C'est David là qui me met une branlée, non? Ah non, pas du tout. Moi, je suis en train de m'attaquer à Liu Kang. Ah d'accord, donc je suis avec Cyril. Moi, je suis Ricky Steamboat. Je sais pas ce qu'on fait d'ailleurs. Oh là, derrière, ça, il faut tapoter là pour se relever. Ah voilà. Tout le monde est par terre. Oh la vache, ce que tu me mets. J'ai l'impression de faire DJ versus Yu Kang. Alors je ne sais plus où me tourner. Oh là là, c'était superbe ce qu'on a fait avec Davy sur le côté là. Ouais, c'était vraiment beau, hein. C'était virevoltant. Ouais. Hein. On aurait dit des trapézistes volants moins que des catcheurs. Voilà, ça c'est fait. C'est mort. Alors la caméra évidemment élargie au fur et à mesure qu'on est chacun à côté. C'est horrible ce que tu lui as fait. Heureusement que c'est caché. Hein. Oui, c'est un peu caché dans un coin. Hein. Je trouve juste, il y a un défaut, c'est que quand on est que deux, la caméra est un peu trop serrée sur les gars. On aurait envie de voir un peu plus loin autour. Une petite boule à fâche. Voilà, alors on change et on échange de partenaire et on lui met sa tête dans le derrière. Le square dance du catch. Mais enfin. En équipe, c'est assez drôle, vraiment, parce que tu viens de défendre ton pote. Mais non, mais laissez-moi. Oh là là, dis donc, il s'est un peu énervé, c'est Mus, là. Hop là. Allez, moi j'y vais, je vais tenter un truc qui déchire, regardez bien. Oh, oh, c'est complètement à côté, c'est dommage, ça méritait mieux ce que c'était j'ai fait. C'était juste à côté, c'était presque... Oh, oh c'est gentil, Monsieur X. Oh là là, Chimus. Ah, oh. Oh, moi j'adore mon truc. Boum. Voilà, et là, il est bien tombé. Et c'est un KO. Oh là là. Alors là, je gagne cette partie. C'est un chaos. Merci les gars. Et sur un beau mouvement. Je propose qu'on revoie le ralenti. Ah ouais. Ça va faire un petit Rodriguez. Ça va nous finir cette émission. Rodriguez. Et voilà, c'est sur ce superbe Rodriguez se termine ce magnifique match. Bravo Marcus. Alors merci, merci. Trois matchs, trois victoires de Marcus. Ça n'arrive jamais, je ne comprends pas. Mais si vous invitez juste pour nous humilier. Oui, c'est vrai, surtout toi. Tu parles d'humiliation, je ne comprends pas. D'ailleurs, je vais démasquer la crampe. Attention, regardez, c'est sexy ce petit lacet qu'on délace.
Je lui tire les oreilles. Je crois que l'inconnu mystère est en train de te mettre la misère. Si je ne regarde pas. Regardez, c'était Cyril Lambin. Tu peux te tourner qu'on voit ton visage de catcheur. Je vais sauver Marcus. Merci Cyril d'être venu te battre avec nous. Mais arrêtez de vous battre, on est en train de dire au revoir aux gens. Ça prouve que c'est un bon jeu parce qu'on a envie de se foutre un peu dessus. Ouais. Et la dernière personne à démasquer, vous l'avez deviné, n'est autre que... Monsieur Smith, oh, le concierge du parc d'attractions, comme dans Scooby-Doo. J'y étais presque, si tu m'avais pas démasqué. C'est vrai. Alex, merci d'être venu depuis le temps que je voulais que tu viennes. Mais voilà. Je suis là, toujours caché. Marcus, tu sais bien. Mais tu es caché derrière la caméra. Moi, je voulais qu'on te voit, même avec un masque. Mais voilà. Et merci à Davy, surtout. Plaisir. Par contre, c'est bien, mais par contre, je peux moins surveiller la, oui, la technique. Vrai. Et parfois, il risque d'avoir des petits problèmes. C'est vrai. Donc, merci à Davy. Ça faisait super longtemps que je voulais que tu viennes. Merci beaucoup. T'avais fait un chez Davy. C'est tout. Ouais. T'étais pas là d'ailleurs. Donc, genre, il m'a pas invité, je vais le faire. Voilà. C'était catastrophique. C'était pour le 1er avril où chacun échangeait les émissions. Oui, et je me souviens qu'il y a un truc qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu, c'était. Tu voulais faire Montrouge Café? Oui, c'est vrai. La place de Tokyo Café. Oui, oui. Comme ça, un bistrot qui était sympa. Et bah, pour le prochain 1er avril, vous y aurez peut-être droit. Bon, en tout cas, c'était génial cette petite partie tous ensemble. Ça vous a plu? C'est bien marré. Ouais, c'est cool. Franchement, voilà, moi pour une soirée entre potes, c'est très bien. Et on se demande ce qu'ils font tous. Et on est sur Dandine. On dirait, un boys band. Allez, bon. À 3, on se retourne. Ouais, yeah. Bon, allez, ciao les petits amis de Nolan. Soyez sages, c'était WWE ou All Stars. A bientôt, ciao. Game over.